Bonsoir. Le troisième génial design de guitare de notre saint patron Léo Fender, évidemment la Jazzmaster, les deux autres étant la Strat et la Tele, est beaucoup moins commun que les deux autres, en particulier dans la gamme Custom Shop. Et alors en plus, quand il y en a une qui arrive en occasion, autant vous dire que faut pas trop prendre le temps de réfléchir des années non plus, puisqu'elle risque de partir à toutes jambes, d'autant plus qu'il s'agit d'un magnifique millésime, une édition limitée d'une âme, qui a la particularité de reprendre les caractéristiques de 59, l'année de production avec la plaque gold anodisée, ce qui en soi est déjà la grosse grosse classe et en fait une gratte hyper attachante visuellement, mais en plus de ça, on a le fameux chevalet RSD, qui est compensé avec des pontées compensées, ce qui permet d'avoir une justesse irréprochable et en même temps un bien meilleur son que le chevalet d'origine de la Jazzmaster que tout le monde s'est empressé de remplacer par un chevalet de Mustang. Et bien là, même pas la peine, vous gardez le chevalet d'origine et vous avez le meilleur chevalet de Jazzmaster que vous n'osiez même pas imaginer dans vos rêves les plus fous. Le tout sur une gratte qui est digne.